Ok les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Juste une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez vu, j'ai pas publié grand chose dernièrement. Donc rassurez-vous, je suis encore en vie, je suis encore au Costa Rica. Et là j'étais avec Pierre, on est à Tamarindo, on vient juste d'arriver dans une nouvelle ville. Et je me suis dit que ça serait sympa, voilà, de partager avec vous la petite histoire qui nous est arrivée. En gros, on voulait aller s'entraîner. Au départ, j'ai regardé un petit peu, vous savez, les gyms. Donc vraiment salle de sport, en mode machine et tout. On est allé là-bas, on a trouvé que c'était vraiment, enfin, ambiance un peu, vous savez, voilà, les muscles un peu, c'était pas super sympa, il faisait chaud, on était mal. Et donc j'étais en train de dire à Pierre, allez, vas-y, on vient, viens, on s'entraîne ici, c'est pas grave. Et puis heureusement, Pierre m'a dit non, on va essayer d'aller voir un petit peu ailleurs. Moi j'ai dit, on va regarder s'il n'y a pas un parc pour enfants. Moi le conseil que je vous donne, si vous voulez vous entraîner en vacances, dans n'importe quel lieu que vous connaissez pas, cherchez les parcs pour enfants, c'est de la bombe. Voyez un petit peu ce qu'il y a autour de moi là, c'est juste génial, on peut faire des tractions, des dips, il y a vraiment tout pour s'entraîner au poids du corps et c'est juste nickel. Et ce que Pierre a développé comme idée et que je trouvais ça juste génial et tellement important, c'est que quand on s'entraîne avec des poids ou des machines, il y a des avantages à s'entraîner avec des poids et des machines, hein. Je ne suis pas complètement uniquement au poids du corps, même si actuellement je fais vraiment que du poids du corps. Mais simplement s'entraîner avec le poids de son corps, ça permet de faire plein de trucs marrants, plein de trucs sympas. Et comme le disait Pierre, quand on a plein d'objets comme ça, on est obligé à un moment de s'amuser, de tester. Tiens, et si je m'accrochais comme ça, et si je m'agrippais, et si je passais ici, et si je faisais un petit saut. Voilà, donc toute cette créativité qui est fun, qui rend vraiment l'entraînement cool, eh ben, on l'a pas quand on a des machines, parce que les machines, bah, c'est un mouvement comme ça, et on fait que ce seul mouvement. Donc voilà, n'hésitez pas, bougez-vous, allez dans des endroits comme ça, un petit peu des parcs pour enfants, redevenez un enfant, amusez-vous, faites un peu des sauts, hop, ici, ici, ici. Donc là, c'est complètement du freestyle. Mais juste pour vous montrer qu'on peut vraiment s'amuser et que ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que j'ai la barbe qui est un peu grossie, les cheveux qui sont un peu partis en cacahuète parce que je veux pas me faire couper les cheveux ici en Thaïlande. J'avais une coiffeuse qui m'avait arraché la moitié des cheveux. Du coup, je vais attendre d'être en France pour être présentable. Et quand je retournerai en France, évidemment, retour des vidéos. Je suis désolé d'avoir été un petit peu absent ces derniers temps. J'ai pas mal posé mes idées sur le papier. Je suis en train de préparer un petit programme. Donc voilà, vous savez, des fois, il y a des moments où il faut savoir se poser, arrêter un petit peu les vidéos pour pouvoir réfléchir à des nouveaux contenus et quelque chose d'un peu plus approfondi. Donc là, je suis en train de travailler un peu sur une formation. Voilà, ça devrait sortir, disons, la cours du fin de mois, début, peut-être début juin. Voilà, je vous tiens en tout cas au courant et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, cette fois-ci en France. Je vous fais des gros bisous au direct du Costa Rica. C'était Romain. Ciao, restez en mouvement.